Eh Mesdames et bien, messieurs, bonjour bonjour. à On tous peut et bienvenue s'attendre pour à une foule cette sous la pression neuvième contraintera étape très de la rapidement à la Volta proche de la côte de 2024. Béziers. Ce On sera la a seule remporté toute l'étape susceptible de précédente, provoquer c'était des vraiment cassures. assez Le rythme incroyable. y sera sans doute Franchement, infernal. on n'y a pas Seuls cru. les plus Mais explosifs on a pourront réussi attaquer pour à tenter de finir en récupérer du solitaire. temps sur Primoz Roglic, donc c'est assez incroyable. On va se retrouver pour la dernière ascension et on essaiera de Les gars, jouer la base le de tout dans la Béziers descente. concentre toutes les On verra attentions. ce que Le ça peut sommet est donner. placé. Allez, on est à 14 km Le de combat! l'arrivée. On va tenter d'aller Au prendre les sommet de la côte de petits Béziers, points. c'est un homme seul qui passe en tête. On a assez de points d'avance pour le maillot à poids. Voilà, on conserve le Je ne peux maillot à plus le poids. perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. C'était avant tout notre objectif. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur grimpeur. Derrière toi, le maillot rouge attaque. Les gars, les 10 derniers kilomètres sont tout en descente. Ça va aller très très vite et ce sera difficile de se replacer avant le dernier kilomètre. Soyez vigilants. Il roule car c'est un danger pour le général. Allez, on va pas tarder à entamer la descente. Bon, pour le moment, ça descend pas forcément beaucoup. Eh oui, Roglic, il est obligé de rouler là maintenant. On va lui coller au train et on va tenter d'aller chercher les bonifs, hein. Moi, j'aime bien l'obliger à accélérer comme ça, Roglic. On va prendre ce qu'il nous reste de gel bleu. Il faut surtout pas que Wout Van Aert revienne. Hein. Si Wout Van Aert revient, malheureusement, on sera dans la merde. Ça y est, c'est revenu. Donc là, maintenant, il va falloir serrer les fesses. C'est pas à nous de rouler. On va laisser Primoz Roglic rouler. Après tout, c'est lui qui doit défendre son maillot. Il ne reste déjà plus que 5 km pour l'avant de la course. Ah, on est à l'arrêt total. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie de rouler parce que j'ai pas envie d'emmener Roglic dans un fauteuil. Donc moi, je me contente de faire ma course. Les bonifs, bien sûr qu'on prend les bonifs. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Bourg-en-Bresse, Salins-les-Bains. Henrik Maas. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot rouge de cette épreuve. Primoz Roglic. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot vert de cette épreuve. Wout Van Aert. Pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer.
Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot à poids de cette épreuve. Henrik Maas. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Carlos Rodriguez. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Eh bien voilà, au classement de cette 9e étape de la Vuelta, Mas s'impose devant Strong, Navarrez, Van Aert, Roglic, Costa, Schelling, Rodriguez, O'Connor et Aleotti. Au classement général, Roglic a 22 secondes d'avance sur Henrik Maas, 59 sur Almeida, 32 sur Rodriguez, 2,08 sur Kuss, 2,43 sur Carapaz, 3,09 sur Van Aert, 4,01 sur Yates, 4,02 sur Gall, 5,38 sur Rubio. Au classement du maillot à poids, 35 points pour Maas, 23 pour Roglic, 16 pour Almeida. Au niveau du classement du maillot vert, Van Aert 133 points, 113 pour Strong, 108 pour Maas. Au niveau du classement du maillot blanc, Rodriguez a 4,21 d'avance sur Lascano et 4,25 sur Tibéri. Au niveau du classement par équipe, la Movistar a 5,31 d'avance sur la UAE Team Emirates et 8,31 sur la Red Bull Bora Hansgrohe. Et au niveau du prix de la combativité, Castrillo a 474 km au compteur devant Bou 447 et Petit 344. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Je crois que demain, malheureusement, il n'y aura pas d'étape. Si jamais, voilà, on se retrouve pour l'étape numéro 10. Demain ou après-demain, je connais pas vraiment tout le calendrier par cœur, mais bref, on se retrouve pour l'étape numéro 10 sur 21. On aura déjà terminé la première semaine. On est deuxième, 22 secondes. On va aller le chercher, ce maillot rouge. C'est notre objectif. Sur ce, prenez soin de vous. C'était Ace. Passez un excellent dimanche. Peace.